us. Right. Good. Some advice about committee. Okay, quelques conseils à propos du comité. La chose la plus importante en comité, c'est comment tu te protèges toi-même. The first most important thing in comité, is how you protect yourself. How do you protect yourself? It's about your guard. Okay? So, assuming he's right in front of me, I have to be in profile. Profile way. Not facing like somehow. Okay? All vital points are here. Motor, if something you can be killed if you get a kick or a punch in the face side. But profile, you are protected here, here, here. They can kick you, they can punch you, you still be safe. You still can survive. So when you are moving, you know, in the committee game, make sure you are not exposing your face, your front, the front side of your body, neither the back, because the back is also vital. If you get a punch or a kick in your back, you can be paralyzed for life. Okay, so attention, la même chose dans le comité, pendant que tu bouges, sois toujours de profil. S'il bouge là-bas, toi aussi tu bouges. Attention au changement des jambes, il ne faut pas changer les jambes en traînant, parce que vous exposez votre face. Okay, when you are to change your side, be careful of going too slow. Change abruptly. Alright. Alors, il va donc, tu dois apprendre à bouger comme ça. Bam! Là, bouge, tu bouges. Et bouge, tu bouges. This way. Jamais exposer ta face. Ok, ça, il faudra un partenaire. On va y revenir prochainement avec un partenaire. Yo. Non, non, laisse, on continue. Bien. Quelques combinaisons. L'autre fois, nous avons pratiqué Maegeri Maite Chuki. C'est une combinaison qui marche très bien. On va y revenir un peu. Quand tu fais Maegeri, assure-toi que tu exposes tout de suite ton genou devant toi. Bam! Parle doucement, parce que dans le processus de lever les genoux, tu t'exposes un peu. Ok? So go straight. Mets ton genou entre toi et l'adversaire. C'est ton bouclier. That's your shelter. Go! Bam! Direct. Allez, on pratique ça ensemble. Le genou. Bam! Direct. Et directement, j'allonge la jambe. Bam, bam. Encore. Maegeri. Bam, bam. Allez, Maegeri Maite Chuki. Bam, bam. Pratique plusieurs fois. Encore. Bam, bam. Right. Change de jambe. Maegeri Maite Chuki. Bam, bam. Ensemble avec moi. Ah. Bam, bam. Attention au décollage. Attention à ce qu'on appelle téléphone. Ça arrive. Le téléphone est toujours presque là. Mais c'est cette histoire-là. Pendant que tu décolles le pied, tu donnes l'alerte. Ok? Tu trahis ton mouvement. Assure-toi que dès que tu décolles, bam! So make sure that as soon as you take off your foot from the floor, it's already there. Look at this. That's what we call telephone. One, two. It's a telephone. He knows what is coming.
So he gets an alert about what's coming. He's then prepared to defend himself or to counterattack. So try to reduce the telephone as shorter as possible. Bam! Okay, practice this. Bam! Okay, vous allez constater que j'ai aussi un peu de téléphone, mais le karaté, c'est une éternelle recherche de la perfection. On essaie de tuer le téléphone. Attention, le mouvement qui fait ça là, le pied entre un et là. Bam! Bon, il y a toujours un peu de téléphone. Donc il faut beaucoup pratiquer. Sois bien concentré, essaye de sentir entre le décollage là et l'arrivée. Combien de temps tu mets? Il ne faut pas que ce soit toute une seconde. Bam! Pratique. Bam! Alright. Bon, si on a pratiqué la fois passée, nous avons aussi pratiqué Mashigeri. Et nous avons dit voilà. Pour les mêmes raisons. Raison de sécurité. Attention à ouvrir tout un angle pour faire le Mashigeri. Non. C'est pas tout ça. Non. Même si on dit c'est un coup tournant. Hein? Assure-toi de mettre ton genou là tout de suite. So you don't make a big ball, a big circle like this. You're exposing yourself dangerously. So make sure directly there. You're in front of you to protect yourself. Bam! Same thing with the other leg. Okay, don't take too much time between taking off and reaching the target. Good. Another kick that is really, really effective is Yokogeri, side kick. Un autre coup qui est vraiment efficace, c'est le Yokogeri. Ça peut être soit le Yokogeri jambe avant, can be just front, you know, okay, it's still side kick, but with the front leg. The piston movement. Le mouvement du piston dans Yokogeri. C'est ça qui en fait un coup vraiment efficace. Là! Pour être concentré. Là aussi, c'est une question de téléphone. So, about téléphone. Don't betray yourself. Don't let him know you're coming. By the time he realizes you're coming, you must already be there. So, he doesn't have time to counterattack. Yeah! Awesome. Yo. On continue. Ok, regardez notre coup qui peut être vraiment efficace. C'est toujours Yokogeri. Yokogeri, tu le fais avec la jambe arrière. C'est pas comme si tu tournais, non, pas du tout. Tu le fais simplement par derrière. Donc, je tourne. Et je lâche mon cou. Je ne continue pas la ronde. Ok? I turn. Leg bent. Legs bent. Stretch my leg. Just. And in one move, it's like this. En un coup, on y va. Bam!
essaye. Non, si tu veux, tourne tout ton corps. Tu as la garde là-bas. Tout ce que tu as fait. Ok. Essaye encore. Tourne. Tu dois voir ton adversaire en face, qui est ton écran de télévision. Et là, bam, assure-toi d'être bien loin de l'écran de ton téléviseur, bien sûr. Good. Ou bien tu le fais par en face de l'écran. Good. Alors, on y va encore en direct. Bam. On y va encore en direct. Bam. Ça aussi, c'est une question de téléphone parce que si tu n'as pas tourné vite, il suffit qu'il s'avance un peu. Il te fait perdre l'équilibre. Ok? On essaie un coup qu'il ne faut jamais essayer quand on n'est pas sûr de le maîtriser. Allons-y, un coup de lit. Jambes arrière. Je tourne complètement. Je lâche. Tournez. Les deux jambes pliées. Both legs bent. Just stretch. Encore, tout dernier. Encore. On essaie encore. Non. Ok, je vais juste compléter, juste conclure. Nous allons conclure. C'est trop proche. Alors, je rappelle la conclusion de la classe de Kumite d'aujourd'hui. Je vous ai parlé de la garde. La garde, c'est votre bouclier. La garde, c'est votre protection. C'est donc la première chose. D'abord, comment vous la tenez? En plus, comment vous tournez autour de l'adversaire. J'aime le truc de Bruce Lee comme ça. Je ne comprenais pas ça au départ, mais c'est ça. Le but, c'est tournoyer autour de l'adversaire sans jamais exposer sa face. So, I remind you about the principles in your safety. In Kumite, it's your guard. Your guard is your shield. Means, never expose your front side. The front side of your body always be in profile. Okay? And while moving around your opponent, make sure you don't expose the front side of your body. That was number one. Number two, we talked about telephone. Telephone is mostly about practice, 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 but also concentration. Yeah, it's also about concentration. Make sure by the time you take off your foot from the floor and reach the target, you don't spend a whole second. Okay, it should be sense of second. I hope you enjoyed this video. And see you next time.